What's my motherfucking name? A slave to a page in my rhyme book. Peut-être le freeze qui est un peu plus compliqué d'habitude, donc suivez bien. On va commencer aujourd'hui toujours jambe droite, on va faire suspension, donc on va faire pas chassé, hop, suspension, je croise les bras et je croise ma jambe droite, d'accord. D'ici je viens shooter droite et gauche, marche, marche, pied droit en arrière, encore une fois tout doucement. 7 8. Suspension, jambe à droite, je croise la droite. Shoot, la jambe droite et croise la jambe gauche. 1, 2, 3. Donc je me retrouve avec la jambe droite plus en arrière. Si je fais ça en compte, ça fait 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Je viens recroiser ma jambe droite derrière. Je tourne et je me retrouve en écart. Donc ça fait 7, 8. Suspension, croise, shoot et croise, droite, gauche, droite en arrière, droite, je viens recroiser devant, je tourne, écart. D'ici, je vais croiser mes jambes en simultané, ma jambe droite va passer devant, ma jambe gauche va passer derrière, et
ouverture. Et je fais la même chose avec l'inverse. La gauche passe devant. Et ouverture. D'accord? On fait tout ça dans l'autre sens. 7, 8. Droite, suspension, je croise. Shoot et croise à gauche devant. Droite, gauche, droite en arrière. Tu vas recroiser devant. Rotation, rotation, rotation. Écart. Et là, mes deux croisés en simultané. Droite devant, gauche derrière. Et je reviens. Gauche derrière, droite, gauche devant, droite derrière, et je reviens. D'accord? On y va tout ça en compte, tout doucement. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Je suis en écart. D'accord? Et 1 et 2. Arrivé ici, genou droit au sol. Là, je vais mettre un coup de bassin, un coup d'épaule en même temps, et je vais pivoter sur mes deux genoux. Arrivé de face, je relève mon genou droit. Vous avez vu, je suis arrivé ici, et au moment où j'arrive devant, boum, je relève mon genou droit. Donc c'est simple, je suis en écart, genou droit au sol, rotation, 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 genou droit en l'air. Je vais remonter en arrière sur mon pied gauche. Pour ça, je pousse avec ma jambe droite. Suspension, j'ai cassé tout de suite. Donc en fait, je vais monter pour redescendre. Encore une fois, tout doucement, dans l'autre sens. 7, 8, 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, et 1 et 2, genou droit au sol, rotation, 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 genou droit devant, je remonte et je redescends. En pied cassé, et je pose ma main gauche en appui. Donc, genou droit, rotation, genou droit se relève, je remonte, je redescends. Arrivé ici, je vais partir en genou-genou. Genou 1, genou 2, donc gauche, droite. Et là, je vais croiser ma jambe gauche derrière, ma main gauche est en l'air, et une fois que j'enlève ma jambe droite, pour partir comme un citant, je mets mes deux mains. Sauf que là, je vais reposer mon genou gauche. Gauche, droite. Main droite, pied gauche, pied droit. Et là, je pars en citant normal. 1, 2, 3, fermeture. Encore une fois, tout doucement. Donc, je fais mon pied cassé. Jambe droite en l'air. Descends, main gauche au sol. D'ici, je pars en genou-genou. J'ai déjà mon genou gauche, donc j'ai juste à faire genou gauche, genou droit, main droite, pied gauche, pied droit, main gauche. Je revois mon genou gauche, boum, genou gauche, genou droit, main droite, pied gauche, pied droit. Là, j'enlève ma main droite, je pars en citant. Pied gauche, droite, gauche, fermeture. Mais je reviens en arrière. 1, 2. Tic-tac à gauche et je referme les deux jambes. À droite et je referme les deux jambes. Encore une fois du début. Mon pied cassé. Pied cassé. Boum. Genou gauche. Genou droit. Pied gauche. Pied droit. Genou gauche. Genou droit. Pied gauche. Pied droit. Départ en citant. Pied gauche. Pied droit. Ouverture la jambe gauche. J'enroule ma jambe droite. Fermeture citant. Je rouvre ma jambe droite. Hop. Je referme ma jambe gauche. Hop. D'ici, je pars en tic-tac. Tic-tac et je vais mettre mon pied gauche à côté du pied droit. J'ai juste à changer de main. Tic-tac et fermeture pied droit. Je me retourne. Je pose la tête. J'attrape mon pied gauche. Et j'attrape mon pied droit. Donc, j'ai fait mes deux tic-tac. On va reprendre d'ici. Je fais mon aller-retour. Boum. Tic-tac 1. Je ramène. Tic-tac 2. Je ferme. Je me retourne sur les genoux. Je positionne ma tête. Là, je suis en position de freeze. D'accord? Donc quand je suis en position de freeze, j'aligne bien les cervicales. Je
juste mon pied gauche là, il reste bien stabilisé, mon pied droit il a juste à monter. D'accord? Donc, je suis ici, boum. Donc là, je suis en stabilité, pas besoin des mains. Je fais semblant d'attraper mon pied gauche, je monte mon pied droit. Si je veux attraper mon pied droit, donc, on va refaire tout ça dans l'autre sens. Ok? Du début, 7, 8, suspension à droite, croisée. Je shoot avec la jambe droite, je change et je croise la jambe gauche. Droite, gauche, droite vers l'arrière. Vous voyez bien, ma jambe droite est venue vers l'arrière, mais elle va repartir bien croisée. Elle est bien loin pour pouvoir vous retrouver à 8 ici. D'ici, j'ai mes deux croisées, simultanées. Droite devant, gauche derrière, et j'écarte. Gauche devant, droite derrière, et j'écarte. D'ici, je descends, genou droit au sol. Quand je vais faire ma rotation, je tourne entre les deux genoux, et je reviens devant, jambe droite seulement. D'ici, je vais monter en poussant sur mon pied droit et mon pied, ma pointe gauche derrière en même temps. Hop, juste je reste sur mon pied gauche. Je vais chercher derrière le genou, boum, je descends, je pose ma main gauche pour me stabiliser. D'ici, on avait dit genou, genou. Gauche, droite, comme tout à l'heure. Je pose ma main droite, mon pied gauche va chercher loin derrière, et j'ouvre ma jambe droite. La même chose derrière, genou droit. Gauche, droite, jambe gauche, jambe droite. Arrivé ici, je vais me remettre de face. Vous voyez, mon pied gauche, il va rentrer ici. Gauche, droite. Je vais restabiliser pour revenir de face au public. J'ouvre ma jambe gauche, je ferme ma jambe droite, je suis en position sit-on classique. Je pars à l'envers. Gauche, droite, tout de suite j'enchaîne. Tic-tac, j'envoie bien ma jambe gauche. Boum, je monte ma jambe droite. Hop, je viens refermer ma jambe gauche sous les fesses. Je change de main. Droite, hop, et je ferme. Boum, boum, mes deux genoux. J'ai juste à venir poser ma tête devant moi. Quand je suis en écart, en genou-genou, j'ai juste à descendre ici, ici. D'accord? Ici, je vais stabiliser avec mon pied. Ici, je monte au début. Je stabilise avec ma main pour bien stabiliser au départ. Et hop, je viens friser. D'accord? On fait tout ça en compte, tranquillement. Et après, en musique. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, et 4, 5, et 6, tourne, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tic-tac, 1, et tic-tac 2 et je vais nous monte et frise. You better change your evil ways.